sa guitare l'accompagne partout et jusqu'en Allemagne. Originaire d'Ingwiller, Alexandre est parti étudier la publicité en Bavière l'an dernier et c'est là qu'il est tombé sur une annonce de casting pour l'émission The Voice of Germany. Musicien et chanteur, il n'a pas hésité et le voici aux auditions à l'aveugle, choisi parmi plusieurs milliers de candidats. Quand vous arrivez sur la scène de The Voice of Germany, j'ai jamais vu une scène aussi grande malgré le fait que j'ai déjà fait des petits concerts un petit peu partout en Alsace. Il y a des lumières partout, le maquillage, la production, le stylisme. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est vraiment une semaine entière d'enregistrement dans laquelle vous devez être à 100% à tous les moments, mais ça reste une aventure inoubliable dans tous les cas pour moi. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. C'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Âgé de 21 ans, Alexandre joue et chante depuis 5 ans. Fan d'artistes français comme Julien Doré et Stromae, il espère transmettre sa passion et de l'émotion au public allemand. Si je rêve, tant pis, quand tu t'en vas. Je considère que la musique, c'est aussi un échappatoire pour le public parce que la musique n'a pas vraiment de langue. La musique, pour moi, c'est une langue universelle avec laquelle on peut transmettre des émotions au maximum de personnes. L'émission a été enregistrée au mois d'août. Ce qu'il chantera est la langue qu'il a choisie. Alexandre ne peut le révéler. Alors, réponse demain soir sur la chaîne ProSieben et dans la salle des fêtes d'Ingwiller où l'émission sera diffusée sur écran géant.